Salut à tous, ici Azarath, on se retrouve pour la FAQ, la première FAQ que je fais. Alors là, ça va être un... Je suis en train de tourner et je sens que ça va être un travail de montage jamais égalé sur la chaîne. Attention, préparez-vous psychologiquement et physiquement. Mettez-vous sur votre chaise. Des petits chips, un coca, je sais pas ce que vous voulez, mais en tout cas, soyez prêts, parce que c'est parti. Pour la FAQ. Ouais, bien après ce générique qui vient de violer votre âme, littéralement. On peut passer aux questions. Aza, pourquoi m'as-tu viré de la GFF? Pour ceux qui ne le savent pas, il y en a qui ne sont peut-être pas au courant, on ne sait pas. Moi et d'autres amis streamers, youtubeurs, on a fait une espèce de team. Comme ça, on live ensemble, on peut faire des vidéos ensemble, on se donne des idées, etc. etc. C'est pas un Brazza, c'est pas un Nézélan, c'est pas un Nézélan, c'est pas un Nézélan. Les béculiers. Les Crocs! Filme mes Crocs! Filme mes pieds! Crocs! Tequila Anakin! Tequila Anakin! Tequila Anakin! Tequila pas tant de niaiser! 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 Tequila Anakin! Tequila Anakin! Takila, Anakin, Takila, Patanese, Patanese, Patanese. Qui s'appelle la Gaming for Fun, GFF. Killer en fait partie, Yanara en fait partie, Storm en fait partie, Speedcraft, Ludo, El Sagan, Obscur. Il y a tout un petit monde qui est indiqué dans la subbox de la chaîne, n'hésitez pas. Donc voilà, c'est notre groupe, voilà. Et là, l'ami me demande, pourquoi tu m'as viré de la GFF? J'ai viré personne, je suis même pas le patron. Ils m'appellent tous président ou quoi. Non, il y a pas de chef dans la GFF, je tiens à le préciser. Je ne peux virer personne. Celui qui veut partir, libre à lui de partir. Mais non, je ne vire pas personne. Bien sûr, ici présent, Monsieur Killer Surprise nous fait une boutade. Voilà. De toute façon... À moins qu'il veuille partir parce que il est trop gros pour nous, le bas peuple de la GFF. Parce que si vous allez sur sa chaîne, que vous allez dans ses vidéos, que vous classez par vidéos les plus populaires, il y a une petite surprise, hein? Alors monsieur, sous prétexte qu'il a 3 millions de vues sur une vidéo, a peut-être envie de partir et de faire une carrière avec PewDiePie, ou je ne sais pas. En tout cas, non, Killer, je ne te virerai jamais de la GFF. C'est avec toi et Yanala que tout a commencé. Donc non, tu es un fondateur, Killer. Question numéro 2. T'aimes la Harissa? Si oui, Han Solo meurt à la fin. Alors, merci Storm pour cette question lourde de sens et très, très importante, il faut le dire. Étant un grand fan de Star Wars... Le rapport entre Han Solo et la Harissa est important. Je vais expliquer un peu mon point de vue là-dessus. J'aime la Harissa, oui, mais pas trop. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Han Solo meurt à la fin, mais pas trop? On va dire qu'il est blessé. Voilà. Je préfère penser ça. J'espère avoir répondu à ta question. J'aime bien la Harissa, mais pas trop. Donc ça voudrait dire qu'Han Solo n'est pas mort. On va dire qu'il est blessé. Voilà. Pourquoi ton image de profil est un chat? Peux-tu raconter la glorieuse histoire de ton image de profil? Alors, mon image de profil est un chat, parce que déjà j'adore les chats. J'ai un chat que je considère comme mon fils. Attention, voilà, il s'appelle Cric, hein, pour l'anecdote, voilà, et je l'ai eu tout petit, je lui donnais le biberon. Chaque fois qu'il buvait son biberon, il avait un bite tout rond et il marchait de travers. Alors du coup, je l'ai appelé Cric, c'est le nom d'une bière que j'aimais bien. Autre petite anecdote, la tête du chat est une reproduction de son visage à mon chat. Voilà,
C'est son visage à lui qui a été redessiné par les soins de mon frangin, qui est extrêmement bon dessinateur. Toute l'image, ma photo de profil et donc qui a servi à la bannière, c'est de lui, voilà. Tablette graphique, logiciel, tout ça. Tout ce qu'il fait, c'est génial. Donc encore à toi, merci frangin de m'avoir fait cette image. Et pourquoi le style un peu empereur et tout, avec la belle veste, le petit verre au coin de la cheminée et tout ça. Bah j'aime bien. J'aime bien. Au début, j'aimais bien les tableaux d'un mec. Un mec qui avait fait des tableaux. C'était des chats habillés en empereur. Il dit, bon, il serait peut-être temps que j'ai ma propre image à moi-même. Et c'est là que mon frère s'est proposé. Il m'a dit, bah vas-y, je te la fais et tout. On reste sur le même délire, tout ça. Et voilà, l'image de profil est née. Mais avant, j'en avais une autre. Une beaucoup plus connue, dont j'étais sûr que je n'avais pas les droits. J'espère t'avoir répondu, Tortipousseman. On passe à la question suivante. Alors, une question pour toi. Plutôt slip ou caleçon ? LOL ! Fallait que j'écrive ma connerie, désolé chérie. Boxer. Pourquoi mon pseudo c'est Tortipousseman ? Je vais faire ce que je peux, Tortipousseman. Pour trouver cette raison qui t'a poussé à avoir ce pseudo. C'est parti. Je crois que j'ai trouvé. Ton pseudo, c'est Tortipousseman. Tu vas le garder pour toi. Je dirai rien. As-tu du sang-fus ? Bourse mal ! Bite poil ! Merci, Obscur. Donc, oui, j'ai du sang. Si c'était ça ta question. Ah, alors là, on a plusieurs questions dans le même commentaire. Je vais répondre à toutes les questions. D'autres questions identiques apparaissent dans d'autres commentaires, je n'y répondrai pas pour éviter de répondre plusieurs fois la même chose, voilà, de répondre aux mêmes questions. Ça serait complètement con. Ici, on a « Pourquoi Azarath ? Tu as quel âge ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos ? Avec quelle position fais-tu l'amour ?» est-ce que tu consommes de la drogue? Sinon, continue comme ça. PS, va voir ma chaîne. Voilà, la petite pub en discret. Donc, pourquoi Azarath? Eh ben, ça va te décevoir. C'est juste parce que je trouvais que ça sonnait bien à l'oreille. Alors, beaucoup font le rapprochement avec la sorte de formule que dit Raven d'être une titan en utilisant son pouvoir. Beaucoup font allusion à ça, vu qu'elle dit le mot Azarath. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la dimension ésotérique présente dans l'univers DC et autour de Raven. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste que c'est un mot que je trouvais que ça sonnait bien, j'aimais bien, voilà. C'est tout, il n'y a aucune histoire sur ce pseudo, il n'y a rien du tout. Tu as quel âge ? J'ai 25 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos ? Alors voilà, je jouais à pas mal de jeux, mais je me suis dit tout simplement, pourquoi ne pas partager ces jeux ? Parce que souvent, quand je parlais de ces jeux à des gens, ils me disaient, ah, je connais pas trop, faut faire quoi, etc. et tout, ça se joue comment ? Donc je leur disais tout ça. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça en vidéo ? Pourquoi ne pas présenter des jeux pas forcément connus en vidéo ? Pourquoi ne pas vous faire partager l'expérience du jeu, de vous montrer les jeux que j'aime,
de vous présenter des jeux pas connus, de s'éclater avec les potos en vidéo. Et c'est là que je me suis lancé avec un let's play de Seven Days to Die, pour les plus anciens d'entre vous. Voilà. Est-ce que tu consommes de la drogue ? Drogue ? Non, je ne consomme pas de drogue, évidemment. Enfin, je ne consomme pas de drogue illégale. La seule drogue que je consomme, c'est la nicotine, sous forme de liquide. Voilà. Mais sinon, non, je ne consomme pas de hakik ou de... ou toute autre substance illégale. Voilà. En même temps, je le ferais, ça serait con de le dire en vidéo, je sais... Enfin, mais admettons, hein. Voilà, sinon continue comme ça, ben merci à toi, Edwin the Queen. J'espère que je l'ai bien dit. Et on passe tout de suite à la question suivante. Quand tu as commencé YouTube, tes potes étaient les premiers abonnés. La vérité, la seule. Non, alors en réalité, mes premiers abonnés venaient sûrement de jeuxvideo.com. C'est pas des gens que je connaissais, mais voilà. Quand j'ai commencé ma chaîne, donc comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai commencé avec un let's play de Seven Days to Die, qui est pourri. Enfin, le premier épisode, quand je le regarde, ça me fait mal au cœur, parce que l'image est pourrie, le son est pourri, ça rame, c'est... Voilà, c'est dégueulasse. Ah, mais bon, c'est normal, c'est les premières vidéos, je crois que c'était monté avec un logiciel à s'en taper les couilles sur un bar. Enfin bref. Quand j'ai fait ce let's play de Seven Days to Die, j'en ai parlé sur jeuxvideo.com pour dire voilà, je commence sur YouTube, j'ai fait cette première vidéo, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, me donner des conseils, etc. Et les gens ont commencé à répondre, à dire ah, tu devrais peut-être faire ci avec l'image, tu devrais peut-être faire ça avec le son. Voilà, c'était sur le forum de jeuxvideo.com, Seven Days to Die. Je suis pas allé dire ça sur le 15-18, je suis pas fou non plus. Ah, je vais pas présenter une chaîne YouTube sur les forums généralistes. C'est un coup à se... Voilà. Et c'est là que j'ai rencontré Killer Surprise, pour la première fois. Il a commenté ma vidéo, machin, il a dit, ah, c'est bien et tout. Après, on a joué ensemble, on a fait des vidéos ensemble. Et ben, ouais, voilà. Voilà, de fil en aiguille. Donc j'espère que j'aurai pondu. Quel rythme de vidéo comptes-tu sortir par semaine ? Alors, le rythme de vidéo, ça dépend fortement de mon humeur et de mon envie, en fait. J'ai pas de planning, sauf pour les lives, vous êtes prévenus à l'avance, etc. D'ailleurs, est-ce que je live samedi ? Je pense que je vais live, mais sur quoi ? Voilà, c'est très approximatif. J'ai... Et d'ailleurs, il faut que je fasse quelque chose de plus carré, parce que là, c'est un peu... L'idéal, ce serait minimum 3. Là, en ce moment, je fais quasiment une par jour, sauf une petite journée dans la semaine où j'en fais pas. C'est pas mal, surtout avec la connexion que je me tape. Je vais essayer de garder ce rythme, mais je ne promets rien. Voilà, en espérant t'avoir répondu, Anthony. Oh putain! Alors, attention. Alors, je me lance pour les questions. Pourquoi avoir créé la GFF ? Comment vous rejoindre dans la GFF ? Quelle est ta bière préférée ? Quel est ton plat préféré ? Continueras-tu les vidéos sur le paranormal ? Tu es plus comics ou manga ? Ton style de jeu préféré ? Y aura-t-il un jour le retour d'Azarath sur 7 Days ? Y aura-t-il un jour le retour d'Azarath sur Minecraft ? Tes youtubeurs préférés ? Sur quel ordi ou console as-tu joué pour la première fois ? Et à quel jeu, voilà ? Alors là, bon, il y a de la question qui revient un peu. C'est pour ça que je ne... Voilà, enfin... Je vais répondre, on est tout petit. Et on était, voilà, un petit groupe de potes, on faisait tous des vidéos. On s'est dit, bah merde. Merde. Pourquoi pas s'entraider et faire un truc plus officiel pour grandir ensemble. Moi, Killer et Yann Alain, j'ai proposé l'idée. Corrigez-moi si je me trompe, mais il y avait peut-être quelqu'un d'autre à ce moment-là, dans notre groupe. Voilà. On a décidé de faire ça, voilà. D'essayer de créer la GFF pour histoire de grandir ensemble et de vivre cette grande aventure qu'est YouTube. Comment vous rejoindre dans la GFF ? Alors comment nous rejoindre ? Ça, c'est un peu plus compliqué parce que même j'ai reçu un mail récemment, objet recrutement GFF et tout, j'étais hyper étonné. Oh ! La vache ! J'avais l'impression de retourner 2 ans en arrière. Un gars qui voulait nous rejoindre et tout, apparemment il est bon monteur, etc. Mais on est déjà extrêmement nombreux. Il y a encore la compagne d'Elsagan qui nous a rejoint récemment. Mais bon, elle, ça faisait déjà un moment. C'est juste que j'avais pas encore officialisé le truc. Mais elle a commencé à streamer au mois de mars. Voilà. Donc c'est pas tout récent non plus.
faudrait qu'on trouve quelque chose, une solution. Parce que énormément de gens veulent nous rejoindre. De toute façon, le TeamSpeak de la GFF est ouvert à tous. Ceux qui veulent faire des petites games avec nous, il n'y a aucun problème. Je veux dire, on n'est pas fermés, on n'est pas des gens fermés. Ceux qui veulent jouer ou faire des vidéos avec nous, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, pour rejoindre en tant que membre officiel la GFF, mettre le petit logo GFF Prod, le machin, avoir son channel TeamSpeak, streamer, youtubeur et tout... ça va être compliqué parce qu'on est déjà énormément, on est quasiment une bonne douzaine. Et quand on arrive déjà sur le TeamSpeak, là, il y a paf, il y a toute la liste qui s'affiche. Ça commence à faire beaucoup. Donc, il faudra qu'on réfléchisse à une solution pour que, quand même, les gens puissent nous rejoindre sans pour autant que ça soit la chienlit, comme on dit, à gérer. Donc, pourquoi pas, à voir, donc. Quelle est ta bière préférée? Je sais que ça va être un blasphème pour beaucoup d'Ardennais si je dis ça, mais ma bière préférée... C'est la DSP. La bière tequila. Voilà, c'est ce que j'aime. Voilà, donc... désolé, hein, mais... Voilà, c'est ce que j'aime. Bon, après, peut-être qu'il y a des bières que j'aimerais mieux, etc. En tout cas, voilà, la bière tequila, ça passe tout seul, j'aime bien. Quel est ton plat préféré? Alors, j'ai pas vraiment de plat préféré, parce que je suis un gros mangeur et que je mange tout. C'est ça mon problème, en fait. J'aime tout. Alors comment je fais? Y'a rien que j'aime pas, mais y'a rien que je préfère non plus. Je sais, c'est très bizarre, hein. Donc j'ai pas spécialement de plat préféré, ou alors faut que je cherche. Continueras-tu les vidéos sur le paranormal? Alors, oui, justement, je voulais en parler. J'en referai peut-être une vidéo sur Echovox, avec la webcam, etc. Et expliquer un peu mieux le fonctionnement de ce logiciel, donc, qui est Echovox. Et refaire une vidéo dessus, ça pourrait être cool. Et même, pourquoi pas, un live. Pourquoi pas un live avec Echovox? Les gens peuvent réagir en direct, tiens. Enfin, ça peut être sympa. Mais le souci, c'est que en live, je peux pas analyser le son en direct. Voilà, je vais pas couper, hop, enregistrer, regarder dans Vegas, analyser le son, ralentir et tout. Non, c'est ce que je peux faire en vidéo par contre. Donc, à voir, faut que je réfléchisse aussi à ça. Mais oui, je comptais déjà refaire des vidéos sur ce sujet. Peut-être pas énormément, parce que c'est pas le but principal de la chaîne, mais pourquoi pas. Ton style de jeu préféré? RTS, FPS, RPG... Blablabla. J'aime bien le jeu de stratégie. Mais pas le jeu de stratégie où faut de l'action par minute à en crever à la Starcraft. Faut faire le coréen sur son clavier. Non. J'aime bien le jeu de stratégie posé. Le jeu de stratégie bien posé, mais où les batailles en jettent. Style Total War. Voilà, style gros 4X, etc. Ça, j'aime bien. J'en fais peu sur la chaîne parce que c'est extrêmement long. C'est des parties qui durent. Voilà. Si je vous fais une campagne de Total War, on y est encore dans 10 ans, quoi. C'est pas la peine. Y aura-t-il un jour le retour des Arates sur 7 Days to Die? Peut-être, mais pas maintenant. Parce que malheureusement, j'ai fait une overdose des jeux de survie. J'ai commencé avec ça, j'ai fait que ça. Là, je souffle un peu. J'ai un peu arrêté les jeux de survie pour l'instant, parce que je ne peux pas rester sur le même type de jeu, je ne peux pas faire la même chose tout le temps. Faut tout le temps que je change de jeu, moi. C'est ça mon gros problème, d'où le fait qu'il y a beaucoup de let's play pas fini. Je reprendrai peut-être 7 Days, mais pas pour tout de suite. Y aura-t-il un jour le retour d'Azarath sur Minecraft? Alors, à voir. Mais je me suis fait pirater mon compte Minecraft, du coup j'ai perdu mon Minecraft. Alors je le rachèterai peut-être. Je sais pas, je verrai bien. En tout cas, il y a un serveur en préparation pour serveur Minecraft GFF modé. Je vous en reparlerai plus tard, une fois que tout sera prêt. Sur quel ordi ou console l'as-tu joué pour la première fois et sur quel jeu? Donc, première console et premier jeu, à mon souvenir, hein, et comme on sait qu'on n'a pas de souvenirs en dessous de nos 4 ans, ou alors que ce sont des faux souvenirs, etc. Bref, on va rentrer dans les détails. Premier jeu que je me souviens d'avoir joué et sur la première console, c'était Duck Hunt sur la NES. Voilà, on devait buter les canards, là. Je crois que c'est le premier jeu que j'ai joué. J'ai peut-être joué à un petit jeu avant quand j'étais vraiment tout petit, mais... Voilà, merci Marc Phoenix. Donc Marc Phoenix aussi fait des vidéos sur sa chaîne, et aussi avec sa compagne sur la chaîne de sa compagne. N'hésitez pas à les checker. Il fait des petites vidéos commentées ou non, etc. Sur une... Très courte, un format court. C'est pas mal. Si les ornithorynques bleus volants et géants cracheurs de feu et les lamas volants télékinésistes géants et électriques de Zelda envahissent notre monde, quel est l'impact sur la biodiversité? Comment tu veux que je réponde à ça, Dirty Pussman? Tu m'as déjà posé une colle tout à l'heure. Si là en plus, il faut que je débatte de la biodiversité, les ornithorynques bleus, etc. Alors attends, si les ornithorynques bleus et volants géants crachaient du feu, donc imaginez déjà l'ornithorynque bleu. Un ornithorynque, ça a déjà une bonne tête dégueulasse.
bleu, volant géant, qui crache du feu. Mais il y a aussi une faction de lamas volants télékinésistes géants et électriques de Zelda qui envahit le monde. Alors, est-ce que ces deux factions sont ensemble? Est-ce que ces deux espèces s'entraident pour envahir la Terre? Ou est-ce qu'elles sont également en guerre et qu'on se trouve entre deux feux? Voilà. Voilà, je ne peux pas répondre à ta question parce qu'elle n'est pas assez précise, Tantipousman. Est-ce que ces deux choses nous envahissent? Ou est-ce que ces deux choses sont en guerre pour notre monde? Là est la différence. Parce que si on se retrouve entre deux feux, entre des ornithorynques bleus volants et des lamas volants aussi, on est dans la merde. Voilà. Question suivante. Alors, Baba qui nous fait une ribambelle de questions, donc certaines que j'ai dû déjà répondre. Pourquoi avoir commencé YouTube, c'est répondu. Pourquoi avoir lancé la GFF, c'est répondu. Pourquoi avoir nommé ton chien Yanala dans Mountain Blade? Petite boutade. M'a fait rire sur le coup, c'est tout. Y'a rien de personnel. Penses-tu tenir le rythme de vidéo comme en ce moment? Si oui, c'est génial. Bah j'aimerais bien. J'aimerais bien, voilà, tenir le rythme de vidéo comme en ce moment, c'est très très bien, comme j'ai dit tout à l'heure. As-tu des projets pour la suite de la chaîne? Alors, des projets pour la suite de la chaîne? Non. non, pas particulièrement. Là, je fais mes vidéos pépères. Les gens arrivent tout doucement. Voilà, on laisse le temps passer. On verra bien. Pourquoi tu ne repasses pas ton putain de fond bleu? Eh! Ça va, oui. Très bien, mon fond bleu. Ah, tu fais ça, c'est bon. Attends. Mais non. Oui, oh. Eh! Hey, Speedcraft, qui fait partie de la GFF aussi. Là, c'est son compte YouTube secondaire. Alors, pourquoi tu achètes pas un fond vert? Bah parce que, tout simplement, tu m'en bricoler un pour pas cher. Voilà. Est-ce que tu feras d'autres vidéos sur ton chat? Sur mon chat, peut-être. Ça dépend. On verra bien. Mais parce que, pour ceux qui ne le savent, c'est les bas-fonds de ma chaîne, hein, je vous préviens. J'ai fait une vidéo sur mon chat. Oula, attention l'effet miroir. Ici, voilà. Vous pouvez cliquer là pour aller la voir. C'est juste mon chat qui dort, en train de rêver. Il a les moustaches qui bougent. C'est mignon tout plein. voilà, c'est tout. Vous pouvez aller voir. Que comptes-tu faire si tu arrêtais YouTube? Bah si j'arrêtais YouTube... Si j'arrête YouTube, bah... Arrête YouTube. Mais je sais pas, moi. Je me sors les doigts du cul et je trouve un boulot. Voilà. pour être clair, à quel point aimes-tu tes viewers et que ferais-tu pour eux? J'ai pas de rageux dans mes viewers, hein. J'ai que des gens sympas déjà, donc ça c'est cool. J'ai très peu de dislikes, donc ça c'est cool. Donc mes viewers, oui, bah je les aime, comme des gens qui apprécient ce que je fais. C'est... Après, que ferais-tu pour eux? Que ferais-tu pour eux? Bah je fais des vidéos pour les divertir, déjà. Après, voilà, c'est des viewers non plus, je peux pas faire grand-chose de plus. Je ne suis qu'un humble pégu sur Internet. Qui fait ses vidéos dans son coin. Voilà. En espérant t'avoir répondu, Speedcraft. C'est quoi ton jeu préféré? PS, moi c'est Skyrim. Oui, je raconte ma vie. Alors, moi le gros souci, c'est que les jeux, c'est comme la bouffe. J'ai pas de jeu préféré, en fait. J'aime tout. Je crois que c'est plus simple à vous dire ce que je n'aime pas. Voilà. Alors, je n'aime pas... Les grosses licences, voilà, les Call of Duty, FIFA truc et tout le bordel, je n'aime pas. Je n'aime pas les grosses licences. J'aime les jeux indés. Proposez-moi de faire du Assassin's Creed, etc., du Far Cry Primal ou je ne sais quoi, je ne le ferai pas. Ça me dit rien. Tous les triple A grosses licences qui durent depuis des années et tout. Non, je peux pas. Moi, je fais quasiment que de l'indé. Sauf là, bon, ouais, j'ai fait du GTA V, j'ai fait du machin. Quand je fais de la grosse licence, c'est surtout pour jouer avec les potes. Voilà, quand ils sont en live sur tel jeu, s'il est multi, je les rejoins, y a pas de problème. Mais ce n'est pas des jeux où je passerai des heures et des heures dessus, quoi. Tout simplement. Donc je n'ai pas vraiment de jeu préféré. En tout cas, on va dire que mes jeux préférés se situent dans l'indépendant et dans le... Sandbox et le mélange des genres, comme par exemple Executive Assault, dont j'ai fait quelques vidéos, où c'est un mélange de FPS, RTS, voilà. C'est des trucs un peu spéciaux, un peu innovants, entre guillemets, qui changent du reste. Ça, j'aime bien. As-tu une copine? Et si tu en as une, comment l'as-tu rencontrée? Sinon, super vidéo, et toujours super cool! Merci, Thomas! Alors,
Oui, j'ai une copine. Oui, il y a une Madame Azarath. D'ailleurs, c'est elle qui a commenté sur les slips et caleçons, voilà. Comment l'as-tu rencontrée? Je l'ai rencontrée sur Internet. Voilà. Je l'ai rencontrée sur Badou. C'est romantique, hein? C'est romantique. Bon, après, on s'est vus. On s'est rencontrés pour la première fois. Ça a collé. Et maintenant, ça fait 4 ans et demi que nous sommes tous les deux. Comme quoi? Ma femme et moi-même, on te kiffe grave. Le savais-tu? Pourquoi avoir rejoint le 3e régiment de cuirassiers? Oh, pourquoi j'ai rejoint ce régiment de cuirassiers? D'ailleurs, c'est eux qui me le demandent. Voilà. En général, on demande ça avant de vouloir rejoindre. N'est-ce pas? Là, c'est un peu... Alors, ils m'ont proposé de les rejoindre. Je les ai rejoints par nostalgie, étant donné que j'étais déjà dans un régiment, etc. Et que j'avais adoré. Donc, pourquoi pas? Après, le manque de temps est fortement handicapant. Parce que oui, c'est vrai qu'il y a des entraînements, il y a des... Il y a des events, des line battles à faire, mais il faut s'entraîner, etc. Et je suis pas forcément toujours là, parce que je n'ai pas énormément de temps pour tout ça. En tout cas, j'essaie d'être là pour toutes les battles. Voilà. Et de temps en temps, je filmerai et je ferai une petite vidéo dessus. Pourquoi pas? Hey, pourquoi tu t'es lancé dans les vidéos YouTube? Quel est ton logiciel de montage? Comment trouves-tu tes jeux? PS, tu mérites beaucoup plus de vues et d'abonnés. Un jour, ça viendra. Eh oui, Crazy Gamer, ça monte tout doucement, donc, et bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc, pourquoi je me suis lancé sur YouTube? Donc ça, j'ai déjà répondu. Quel est ton logiciel de montage? Alors, pour ceux qui me posent toutes les questions, logiciel, montage, matos, etc., c'est par ici, voilà. Ici, il y a la vidéo setup. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Mais sinon, je réponds directement pour aller plus vite. J'utilise Vegas Pro 13 pour monter, voilà. Comment trouves-tu tes jeux? Va tout simplement sur Steam. Alors oui, j'ai pas de solution pour trouver mes jeux, etc. Je regarde les sorties populaires, le top des ventes, les offres, etc. De temps en temps, je recherche par catégorie, mais ça reste rare. En tout cas, c'est du Steam, quoi, tout simplement. Je navigue sur Steam. Et voilà. J'espère t'avoir répondu, Crazy Gamer. Pourquoi une FAQ? Pourquoi suis-je un chien sur Mountain Blade? Es-tu le patron de la GFF? Donc pourquoi une FAQ? Bah tout simplement parce que j'en ai jamais fait. Et les gens se posent peut-être des questions. Je ne sais pas. Donc, voilà. Puis pour faire comme tous les grands youtubeurs, y avoir des vues. Pourquoi je suis un chien sur Mountain Blade? Ah bah ça, c'est le sort qui s'acharne, Yann. C'est le karma. Ah bah voilà, je sais pas. T'as un chien sur Mountain Blade parce que c'est arrivé, voilà. Il y a eu le chien devant moi, il fallait que je lui donne un nom. Manque de bol, c'est tombé sur toi. Moi, je n'y peux rien. C'est le hasard, voilà. C'est venu comme ça. Ce n'est pas personnel. Es-tu le patron de la GFF? Non. Eh, s'il y a un patron dans la GFF, moi je dénonce, hein, mais Monsieur Rambo, 3 millions de vues, hein, moi je dis que, voilà, il est au-dessus de nous, hein, Monsieur a 3000 abonnés complètement random qui viennent du monde entier, parce qu'il a posté une vidéo de Rambo que tout le monde a pris pour le film, hein, je veux pas dénoncer, mais je dénonce. Donc s'il y a un patron dans la GFF, c'est plutôt à lui qu'il faut demander, voilà, n'est-ce pas, Monsieur Surprise? Est-ce que tu peux me dire si mon avatar est sexy ou si je devrais le changer STP? Alors là, je pense que tu peux garder cet avatar. Parce que ça sert à rien de mettre des images dans ce genre-là. Voilà, hein, du métamorphe sexy, il y en a. Hein. Ouais, ça on trouve, hein, c'est internet, faut pas déconner. Mais là, ce qui est bien, c'est que c'est l'imaginaire qui fait le travail. Voilà. Métamorphe, il peut se changer en n'importe quoi. J'ai rien d'autre à ajouter. Et la dernière question FAQ. Deux points. Quelle est la configuration de ton PC?
Vas-y, clique. Tu peux cliquer. Si, t'as le droit. Non, plus sérieusement, il y a un lien dans la description de ma vidéo setup qui mène à une fiche LDLC de ce PC justement, avec toutes les configurations, tous les détails de l'ordinateur. Donc vous pouvez aller voir la vidéo setup, tout est dessus. Et c'est ainsi que la vidéo FAQ s'achève. Eh ouais, j'ai répondu à plus d'une vingtaine de questions, en tout cas plus d'une vingtaine de commentaires. J'espère que j'ai eu les bonnes réponses, j'espère que ça vous a plu surtout. Je sens que ça va être, alors j'y suis pas encore, mais je sens que ça va être un travail de montage assez particulier, n'est-ce pas? Et voilà, donc j'espère sincèrement que ça vous a plu. J'en referai peut-être une autre plus travaillée, plus tard. Je vais pas en faire une tous les deux jours non plus, mais dans quelques mois j'en ferai peut-être une. Voilà. Merci à tous d'avoir posé vos questions, d'être présents, d'être abonnés, de regarder ce que je fais. Certes, j'ai 1544 abonnés, mais j'ai pas beaucoup d'abonnés actifs, on va dire. Parce que si vous pouvez le voir, sur une vidéo random, je vais avoir 50 vues, et pas 1500, entre guillemets. Mais ça fait quand même plaisir de voir que j'ai quasiment que des retours positifs. C'est pas arrivé depuis longtemps, que des retours négatifs, etc. C'est pas arrivé depuis très longtemps, et j'en suis fortement heureux. Donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Je vais vous laisser ici. Merci encore, et à la prochaine. C'était Azarath pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde.